Certains modèles Toyota peuvent être équipés d'un hayon assisté à mémoire avec fonction de hauteur réglable. Cette fonction permet de pré-régler la hauteur d'ouverture du hayon pour l'adapter à des personnes de tailles différentes ou à des situations de dégagement restreint. Pour pré-régler la hauteur d'ouverture, vous devez d'abord arrêter le hayon assisté à la position désirée. Il y a plusieurs façons de le faire. Maintenez enfoncé le bouton sur la télécommande pour ouvrir le hayon. Appuyez sur le même bouton pendant l'ouverture du hayon pour l'arrêter. Lorsque le hayon assisté est déverrouillé, on peut l'ouvrir ou le fermer depuis l'intérieur du véhicule en maintenant enfoncé le bouton situé sur le tableau de bord. Il suffit d'appuyer sur le même bouton pour arrêter l'ouverture ou la fermeture du hayon. De manière similaire, lorsque le hayon assisté est déverrouillé, on peut l'ouvrir depuis l'extérieur du véhicule en appuyant sur la commande d'ouverture extérieure. Il suffit ensuite d'appuyer sur la commande située à l'intérieur du hayon pour arrêter son ouverture ou sa fermeture. Si vous commencez à fermer manuellement le hayon, son système d'assistance le fermera complètement de façon automatique. Un avertisseur sonore retentira et les feux de détresse clignoteront deux fois pour indiquer que le hayon s'ouvre ou se ferme. Après que le hayon se soit arrêté à la position désirée, maintenez enfoncé le bouton situé sur le hayon pendant environ 2 secondes jusqu'à ce qu'un avertisseur sonore retentisse 4 fois. Cette hauteur devient la position d'ouverture du hayon jusqu'à ce qu'elle soit réglée de nouveau. Pour régler la hauteur de nouveau, maintenez enfoncé l'interrupteur du hayon jusqu'à ce qu'un avertisseur sonore retentisse 4 fois, s'arrête momentanément, puis retentisse à nouveau 2 fois. Le hayon reviendra alors à sa position d'ouverture maximale. Sur certains modèles Toyota, on peut régler la position d'ouverture du hayon assisté par l'entremise de l'écran multifonction situé sur le tableau de bord. Utilisez les commandes au volant pour sélectionner réglage du véhicule, hayon arrière à commande assistée, puis réglage de l'ouverture. Puis maintenez enfoncé la touche OK pour régler ce paramètre. Avant d'ouvrir ou de fermer le hayon, assurez-vous qu'il est libre de tout obstacle, y compris la neige ou la glace. Si un objet est détecté, la fonction anti-obstruction arrêtera la course du hayon. Un avertisseur sonore retentira et le hayon passera en mode manuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Connaissez votre Toyota.